C'est parti pour un accès vers les extérieurs. La première difficulté, trouver les boutons qui commandent l'éclairage. Donc c'est pas à portée de ma main. Ce que j'aurais véritablement apprécié là dans le hall, c'est que je sois détecté avec un petit système. Voilà, il est là le système en fait. Mais j'aimerais bien qu'il détecte jusque ma porte. Et à travers ces propos, qu'est-ce qu'on entend là au niveau sonore? Un effet cathédrale. C'est-à-dire il y a de l'écho, je ne sais pas comment le définir, mais c'est hyper désagréable. Si on était quelques-uns à parler, ça serait un vrai fouillis sonore. Hein, à savoir que dans le handicap visuel, on compense au niveau de l'auditif. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de clarté au niveau des voix et des sons. Hein, et dans le handicap auditif, si on entend encore un peu, et bien on aime également que ce soit très clair. Voilà. La réponse technique serait de placer des produits absorbants. Alors tout ça, ça se calcule. C'est soit traiter les sols, les plafonds, les parois pour éviter ce problème d'écho. Alors là, qu'est-ce que j'apprécie? Là, c'est cette surface, hein, aire de rotation, 1m50. Aucune difficulté, très bien. L'ascenseur, parfait, je le vois bien. Il est bien contrasté en couleur par rapport aux parois. Eh bien, on va voir. Je l'appelle. Alors, on y va pour cette porte. Qu'est-ce qu'on observe? Cette porte, équipée d'un ferme-porte, hein, ces fameux grooms qu'on trouve sur des portes de cheminement dans beaucoup d'établissements. C'est une vraie galère en fait. Mes deux mains sont occupées pour la propulsion en fauteuil. J'ai pas une troisième main pour pousser la porte. Ce qui serait bien, c'est qu'elle saute au verrouille, là, à cette position-là. Mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est parti pour ma petite galère, avec un dimensionnel qui va être également très moyen. Voilà, face à un escalier, problématique. Pour certains, franchir un nez de marche, on le voit là, débordant de plus d'un centimètre, hein, facilement, c'est une contrainte. Le pied glisse et a bien du mal à monter. Donc, nez de marche inférieur à un centimètre en débordement. Les nez de marche, eux, par contre, doivent être antidérapants et contrastés en couleur, de façon à sécuriser l'escalier, parce que tout soit visuel. L'intérêt de la contre-marche est d'éviter qu'un pied s'engage sous la marche. Voilà, et aussi, ça peut être anxiogène de voir le vide pour certains. Le giron, lui, 28 cm minimum, ce sera bon pour beaucoup. Bon appui du pied. La hauteur de marche, chez le particulier, l'ergothérapeute, le patient vont définir ce qui doit être nécessaire. Alors la main courante, bien entendu, très utile dans le monde du handicap moteur, personne semi-ambulante et d'autres, mais aussi pour les non-voyants ou les malvoyants. Là, l'absence de continuité fait qu'on n'a pas d'information tactile indiquant l'arrivée en bas de l'escalier. Alors l'escalier, en fait, déjà, y voir clair. Hein. Donc là, hop, j'ai trouvé l'interrupteur, il est contrasté en couleur, une petite LED m'informe, j'ai une capacité d'éclairage qui me donne à 150 lux au sol. Le lux, c'est une mesure, une unité de mesure d'éclairement.